Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Life is Strange. Alors, j'ai mis mon casque pour m'entendre parce que sinon j'entends rien dans les environs, donc ça c'est bien. Aussi, je vous remercie pour tous ceux qui suivent l'épisode et ça fait quand même drôle de s'entendre, mais bon, il fallait parce que je m'entendais pas. Alors dans l'épisode précédent, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Bon, moi ça va. Ah oui, son père est revenu dans la chambre et a pété un plomb. C'est ça. Allez, continuez. Toujours manette, ça c'est impeccable. Ça fonctionne toujours. J'espère que la webcam fonctionne aussi. Bon, c'est là que ça s'arrêtait. Son père a pété un plomb. Ça, je crois. On peut pas passer. Vas-y, éteins. Chrono. Bip. J'espère que vous allez bien. C'est posté le dimanche pour prévenir que ces vidéos-là seront jamais toujours de l'avant. Ça met une bonne semaine pour faire l'enregistrement et la suite. Désolé. Je vous laisse lire, de toute façon je l'ai vu cet épisode. Et dans l'épisode précédent aussi. Mais non, de toute façon, on peut pas se planquer. Ah bah voilà, on s'est fait griller. Je me suis fait griller. Bon. On s'en fout de toi. Il se prend pour un... Regardez-le. C'est pas s'habiller. Si je sais pas réglementer pour ça. J'espère que vous avez pas d'écho. Parce que moi j'ai comme un écho. Mais bon. Ah, vous entendez tout ce qui est autour avec ma manette. Dénoncer Chloé ou se dénoncer? Est-ce que c'est toi? Ouais, Chloé, la dernière fois c'est dénoncer, on reste là-dessus. Oui, c'est moi. La manette a tremblé, tape autrement toi, dégage. C'est vrai quoi. Like you know, you're not even a real cop, you're a fucking security guard. T'es cinglé. Cinglé le mec. Ah, je vous avais trop de soleil peut-être. Oh, c'est peut-être un peu mieux. Oh, oh fuck it. Bon, bah nous on s'est... Bah c'est pas trop mon truc de dénoncer les autres. On aurait pu faire le méchant. Bon. Elle s'en fout, regardez-la. Alors moi j'ai tout cassé l'épisode précédent et puis là j'ai pas pu me planquer, j'étais en train de vous parler en même temps. Voilà, par la fenêtre c'était pas possible non plus. Donc après il y avait le poste, mais il y avait rien d'autre à part peut-être ce coin. On aurait pu se mettre là comme ça. Ah non, derrière la porte. On s'aurait pris la porte en pleine part et pas. Ça aurait été trop lol. Allez, quitte la chambre. On se casse. On aurait pu faire ça avant. Et qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Oh là là là. Oh, j'apprendrai bien ça le bureau. Ah, le phare. Non, il y a de la brume. Le jour se
couche sans venir à la nuit. Coucou. Bon, graphiquement, ça reste toujours un dessin. Plus vite, l'escargot. Attends. Oh. Oh là là. La bête descend juste toi que ça y est. Pourquoi j'ai l'impression d'être venu récemment? J'ai le même chemin que dans mon cauchemar. Oh, allez, avance. Avance. Allez. S'en fout de ta tronche. Oui, light. Ouais, c'est ça. La maison de la lumière. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Y'a rien. C'est quoi ce panneau? Bon. Je pensais qu'il y avait quelque chose, mais non. Oh, journal. Max. Oh, y'a un coquard. Je t'en donne une merci pour aujourd'hui. Je t'appelle plus tard. Ok, promis, pas de problème. Tu dois toujours me parler de ton super secret. Ok. Mec, paf, dans les dents. Oh non. Oh, l'oiseau bleu. Les oiseaux ont la chance de pouvoir s'envoler quand ils veulent. Oui, c'est vrai. C'est de se barrer. Oh, regardez. Oh, un tronc. Oh, le beau-père de Chloé n'a pas intérêt à m'emmerder. Ça, c'est la carte. Waouh, Chloé avait fait ça pour marquer l'emplacement de notre cabane. Ah, la tête de mort. Ah, d'accord, j'avais pas vu sur le coup. Un feu de camp. Regardez. On dirait que les jeunes d'Arcadia aiment toujours faire la fête dans le coin. Il y en a, apparemment, ils s'amusent. Et ben, l'hôtel était toute seule là-bas. Ah, coucher de soleil de l'amour. Un tag. Truth Knows One. C'est là depuis combien de temps? Un tag. Le Bigfoot laisse leur empreinte un peu partout. Ça doit être des groupes de jeunes qui laissent leur. S'influencer dans le coin. Ouais, on dirait un code. Étrange, quand je regarde ce verre, ça fait, me fait penser au vent. Ah bon. Bon. Oh. C'est quoi? J'ai vu quelque chose marqué. Empreinte. Ce n'est pas un Bigfoot. Quel animal ces gens d'empreintes? Un loup. Par un loup, je vois pas d'autre chose. On saute, Chloé. Saute. Allez. Et hop. On peut sauter? Oh purée, je parie qu'on peut. Mais non. On va dans le phare. On va faire des quoi? Des brontes minous. Ce serait une belle photo de Chloé encadrée pour les rayons de soleil. Comment on sort aussi son... L'appareil. Alors, je cherche l'appareil photo. Ah, on avait dit de regarder un petit peu. J'ai du mal à cerner le professeur, monsieur Wells. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu l'air de se méfier de moi dès le départ. Est-ce que j'ai l'air d'un élément perturbateur? Il m'a demandé ce que je faisais à me balader dans les couloirs. J'ai commencé à me balayer. Bégayer comme une idiote. Il y a littéralement de pouvoir de vie ou de mort sur ma bourse d'études. Alors il me prend pour une super nerveuse. Je l'ai déjà vu plaisanter avec des professeurs et d'autres élèves, donc je sais que les problèmes, c'est moi. Il a l'air stressé. Qui ne le serait pas devoir gérer Blackwell et tous ces petits drames? J'ai l'impression qu'il sent l'alcool, mais c'est peut-être sur son eau de toilette. You are the boss, me. On est toujours dans l'épisode 1. Je peux pas prendre de photo. Oh, c'est dommage. Bon, bah, Chloé. Tu es sûr que tu... Tu préfères rester là? Pose-toi, ma poule. Tu es de bonne humeur. Avec plaisir. Voir le rôle de beau-père perdre une manche, tu as plutôt le courage. Et tu as raison. David est vraiment relou. T'es relou. C'est vrai qu'il est relou. Il s'est acharné sur Kate. J'aurais dû le prendre en photo. Ouais. C'est vrai. Tout à l'heure... On aurait peut-être pu le prendre en photo. J'aurais dû prendre une photo quand il s'en est pris à Kate aujourd'hui. Ça aurait été idéal pour le faire chanter. Il faut qu'on le grille. Visiblement, il y a des motivations cachées. Il a beaucoup de dossiers secrets. Rambo est toujours impressionné d'être au service du pays. Tu as regardé? Malheureusement, oui.
Dans l'épisode précédent, j'ai fait tomber les dossiers et... Oui. Oui, j'ai pas pu m'en empêcher. Ne change jamais. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Des photos bizarres de Kate Marsh et d'autres élèves de Blackwell. Ce type prend son travail trop au sérieux. Il le doit pas sur le champ de bataille, je pense. Il est obsédé par la surveillance. J'ai peur qu'il ait mis aux caméras dans la maison. Je suis sûr que j'étais au courant que Chloé était sous surveillance. Ah, d'accord. Mec, il est fou. Ah d'accord, le secret de Nathan, même les tiens. Plus maintenant. Quelle info tu as sur Nathan? C'est un enfant. I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Ah, d'accord. Just tell me what happened, Chloe. Now, I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money. D'accord. Alors encore dans sa base, droguée, puis elle s'en souvient plus. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel. Il a eu du pognon. Ça tourne le mal. Elle a eu du pognon. Elle s'est droguée avec, elle l'a rencontré dans un bar. Et apparemment. Et Nathan, combien tu dois? Donc elle se retrouve vraiment dans le caca. Nathan. À l'académie. C'est bien à boire et riche à rigoler. J'ai fait des blagues à cause de riche. Mais il a mis quelque chose dans mon verre. Bonsoir Chloé, j'arrive à pas y croire. Enfin, si, et ensuite. Je dis en même temps. Dans l'histoire. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. D'accord. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. C'est intense. Hallucinant. Je suis furieuse. Allez, je suis taillée. Qu'est-ce que t'as fait après? Dans les chiottes. Ah oui. Il est toujours dangereux. Appelons la police. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Le destin. Ouais. Ouh. Ouh. Je sens... C'est chaud. Oh, je trouve c'est chaud, les amis. Ah ouais. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Rachel lui manque. Bon, ça peut se comprendre. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. D'accord. Calme-toi. Qu'est-ce qu'elle a? Non! Oh non! Non, 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 non. Pourquoi ça arrive à moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah les amis, il faut qu'on court! Ah, on voit des éléments du passé! Regardez! La biche! Ah bah oui, ça recommence, bah... Il a dit ça pacte, l'effet papillon! Wow! Ah! D'accord, comment je fais moi? Wow, l'effet du temps, alors on va se calmer. Comment je fais pour passer? Aïe 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 aïe. Quelle tempête, j'ai jamais vu ça comme ouragan. Mais je fais pour, comment pour passer ma vieille? Tu peux pas, t'es trop petite, trop grande, t'es que... Bon.
En remontant dans le temps, vous pouvez vous positionner à l'avant pour vous téléporter. D'accord. Allez. Oh! Dans sa tête. À l'avance. La biche. La biche, elle vient ici. Sauve-toi pas. Mais viens. Wow. Ah. Par où passer? Allez, les amis. D'accord. Faut le laisser s'écrouler. Bon. Bah, fallait savoir. Coucou. Oh là 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 là. Twister, le film, le retour. Oh, oh mon dieu, la tornade est revenue. J'hallucine pas. Wow. Oh fuck. What? D'accord. Reviens. Hop. Passe. Dégage. Ah, je peux pas. What? Attendez, là c'est chaud. Lire. Attendez. Faut que je lise. Le 11 octobre, c'est ce vendredi. Dans 4 jours seulement. Oh. Oh, c'est l'apocalypse. La tornade se dirige tout droit vers la ville. Wouah. Ça, c'est une prévention. What? Chloé, t'es là, je suis de retour, oh mon dieu. C'est bien réel. C'est réel. Oh putain, c'est la merde. Max, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es évanoui. Je ne suis pas évanoui. J'ai eu une autre vision. La ville, elle va être détruite par une tornade. Je l'ai vu. Vous l'avez vu? Je vais être tornade dans le grand. Oh bon, je l'ai vu. Je pouvais sentir l'électricité dans l'air. Attends, respire, d'accord? Chloé, je ne suis pas folle. Il faut que je dise autre chose. Quelque chose de super grave. Je t'écoute, Max. J'ai eu la même vision quand j'étais en cours. Oui. Et ensuite, j'ai découvert que je pouvais me remonter le temps. Je suis pas folle, je t'assure. Mais tu as fumé, non? Écoute-moi bien. Comment tu crois que j'ai trouvé ça? I saw you get shot, Chloe. Oh, il neige. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Réchauffement de planète. Une tempête se prépare. Max. Raconte-moi tout depuis start le début. From the beginning. Max. Tell me everything. T'écoute. Voilà les amis, le réchauffement climatique, c'est ça. Et oui, ça peut arriver. C'est beau, c'est magnifique. Waouh. Avec la musique. Je rappelle qu'ils sont en pleine saison d'automne, fait 25 degrés et il neige. Même le chien est heureux. Arrête de broyer! Oh! Oh! Bonne la neige! Oh, j'ai trop fumé, bon, faut que j'arrête. Ah.
Je m'aime le prof qu'on voit. Tout ce qu'on a rencontré. Son petit copain. C'est beau! On dirait un film. Rachel. Kelly, Rachel. Sauvegarde, Chrysalis, succès, déverrouillé, épisode 1, Chrysalis les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser, premier épisode terminé, et bah c'est comme ça, et Chrysalis, je crois que Chrysalis c'est la pellicule photo, je sais pas, c'est pour ça que je me demande, bon bah pour cette première épisode, c'est déjà pas mal, enfin, pour cette première session de Life in Strange, alors, qualité, nickel. Les musiques, écoutez ça. Toujours en arrière-plan, il y a une musique, il y a une ambiance. Ça, c'est beau. L'éclairage, tout. Tout va bien. Moi, je suis sur l'écran. Vous me voyez, je bouge les mains, les pieds. Non, je rigole. Oh, je peux les bouger, mais bon. Donc, pour résumer, un petit peu. On va résumer. Il nous reste 10 minutes. On résume. Alors, on revient de loin. On revient dans la ville. Je sais plus comment c'est le nom de la ville, mais dans le lycée ou dans le truc de formation, on va dire, de photographe, à Blackwell. Blackwell qui est une grande école. Ça tourne mal parce qu'on rencontre la copine, Chloé, qui se fait tuer. On doit remonter dans le temps. On découvre plein de petites choses au fur et à mesure. Et ça a beaucoup d'impact. Ça, je l'ai remarqué. Et là... Le fail. C'est là-dessus, les amis, qu'avec cette tempête, on se laisse. Avec un gros bisou à tous. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et les autres, bien sûr. Mais ça continue, hein. On n'est qu'à la deuxième épisode par la suite. Là, c'est la première. En 4 épisodes. 4 épisodes Live in Strange, on entame la première session. En sachant qu'il y en a 5. 5 chapitres, voilà, je voulais dire ça. Bon voilà. Oh, ça c'est intéressant. Vous avez dénoncé Nathan. Vous avez caché la vérité, 36%. Pff. Vous avez réconforté Victoria, 74%. Vous avez intervenu pour aider Kate, 84%. Et vous êtes dénoncé pour Chloé, 27%. Vous êtes resté caché. Vous êtes intervenu. Il y a apparemment des succès. Vous avez dénoncé Chloé à 1%, tu m'étonnes. Et je pense que si on fait l'inverse, on gagne des succès sur Steam. Mais bon, ça sera pour la prochaine, les amis. Je vous dis ciao, bye bye. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Commentez, likez, partagez. Mais surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. C'était The Death.